Salut YouTube, si tu vois cette petite bonne annonce, c'est que tu es sur une de mes vidéos challenge de novembre. T'es sûrement en train de te demander de quoi je te parle et c'est bien normal. Pour le mois de novembre, je me suis lancé un challenge de fou furieux et mis l'objectif de sortir une vidéo par jour. Bon, sauf le dimanche parce qu'il faut pas abuser quand même. Au programme, du Yugi, un petit peu d'Urban Rival et encore du Yugi. Je compte sur toi pour me soutenir chaque jour dans cette folle aventure et pour ça tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est massacrer le bouton pouce en l'air, laisser un petit commentaire sous cette vidéo et bien évidemment t'abonner pour ne pas louper la vidéo de demain. Bon visionnage. Yo les duelistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, première vidéo de cette longue chaîne de vidéos qui sera le challenge du mois de novembre. Aujourd'hui on se retrouve et je trouve ça trop cool de pouvoir commencer ce challenge avec cet archétype là qui me tient particulièrement à cœur. On se retrouve avec un petit deck profile Orcus Terra Element. C'est, je considère ça comme assez pur dans le sens où il y a vraiment beaucoup de cartes Orcus et c'est pas juste un engine comme j'avais pu le jouer avec Orcus, Punk, Terra Element qui était un deck qui marchait vraiment très très bien. D'ailleurs j'avais gagné un win 100 OTS avec. Aujourd'hui on se retrouve donc du coup pour ce deck profile. C'est pas pour valoriser le deck en lui-même, c'est juste pour vous donner une illustration. J'ai pu affronter pas mal de decks avec, notamment du Branded. C'était une version avec Blue Eyes, c'était pas mal en vrai, ça avait l'air tourner plutôt bien. Ça sortait le nouveau Lubellion en utilisant 5 du deck, enfin bref c'était assez cool. J'ai affronté du Adam Emancipator et puis du Dragon Link Bestial. Franchement il n'y a pas beaucoup de match-up où j'ai eu du mal parce que le deck en fait il est ultra stable et si tu poses ton board T1, bah en vrai souvent t'as gagné parce que t'as tellement d'interruptions. J'essaierai de vous montrer le petit combo dans la vidéo pour que vous compreniez un petit peu ce que ça fait. Je rappelle que cette vidéo faisant partie du challenge du mois de novembre, et eh bien il y aura un petit code de card market de 10€ caché quelque part qui va popper à un moment ou un autre. Le premier qui l'active sur card market remporte 10€. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que quelqu'un le chopera et en tout cas ça me fait trop plaisir de pouvoir vous l'offrir. Ce que je vous propose c'est que si cette vidéo vous plaît, le pouce, l'abonnement et le petit commentaire. Bien évidemment, d'ici quelques temps, les Ishizu vont sortir. Donc, je vais essayer de travailler une version avec les Orcustes. Je sais qu'elle sera pas forcément la version la plus méta, mais personnellement, je suis trop content de pouvoir jouer un deck que j'aime. Et c'est vrai que avec Terra Element, c'est un moyen pour moi. Par exemple, Sheren est une excellente carte Orcustes. Donc voilà, c'est un moyen pour moi de pouvoir jouer un deck que j'aime bien. Et je trouve ça trop cool de m'amuser avec des cartes qui me rapprochent d'un deck méta. Voilà, j'ai assez blablaté. Dans cette vidéo, tu retrouves le deck profile. Je vais présenter carte par carte en expliquant ce qu'il en est. Ensuite, un petit combo avec une main aléatoire, quelques combos de base, etc. Et évidemment un petit screen de la decklist. C'est parti pour cette vidéo. Ok, donc j'ai divisé le main deck en 3 parties. La partie Terra Element, la partie Orcustes et la partie à un peu plus stabilité. Donc je vais vous présenter chaque partie différemment pour que vous ayez bien les éléments de chacun. Pour la partie Terra Element, je vais jouer 2 Rhino Earth parce que en fait plus t'as pas forcément envie et vu que t'as Girsu de l'autre côté, que tu as souvent envie de Normal Summon, de pouvoir Normal Summon en tout cas, bah en vrai tu vas plus utiliser en mode je vais la foolish ou je vais aller la chercher mais que dans un monde où je sais que je vais pouvoir la discard, enfin bref, t'as compris un petit peu l'idée, ou je vais simplement chercher à la meuler pour pouvoir faire le gros Kaleidor juste après. Sharon, qui est une carte Terra Element incroyable, elle dit que tu peux envoyer une carte, l'aspect, envoyer une carte de ta main au cimetière, puis meuler 3. En fait, typiquement, bah, t'as n'importe quel Orcuste, c'est une bonne carte. T'as n'importe quel Terra Element, c'est une bonne carte. Franchement, cette carte-là, elle est incroyable. 3 Afnis, parce que c'est une des seules entrapes du deck, si ce n'est même la seule entrape du deck, post-pre-side en tout cas. Et cette carte-là, elle permet de, si l'adversaire est activement sur le terrain, tu l'aspect, tu meules 3. Si un Terra Element est à l'intérieur, tu fais une fusion. Rien que ça, ça fait du CA, et tu peux même aller chercher au grind game, l'adversaire, il joue un petit peu, etc. Toi, t'as ça en main, bah, tu vas pouvoir aller faire une negate supplémentaire sur le terrain, ou tu vas pouvoir aller chercher, en fonction de ce que t'as meulé, un Kaleidor Earth, qui du coup va faire le gros Kaleidor Earth, et bounce 1. Franchement, c'est une bonne carte, on va pas se mentir. Et 3 Merli. Alors Merli, elle fait vraiment partie du combo de base parce que elle meule 3 et dans ce deck là, on va souvent aller chercher les Orcustes du deck en les meulant au cimetière. Et avec elle, avec Kree et avec Afnis, eh ben, on peut meuler jusqu'à 11 en même temps. Meuler 11 dans un deck à 45, bah, clairement t'envoies un carton deck au cimetière, t'es quasiment sûr de toucher ton engine Orcuste pour pouvoir faire tes combos et aller chercher la contre-trappe, le draw 2, enfin ça dépend ce que tu veux vouloir aller chercher. Alors ça va paraître un peu bizarre, mais je vais jouer plusieurs cartes Terra Element seulement en 2 exemplaires parce qu'elles ont tous la même chose, c'est que tu n'as pas envie de les avoir en 3 exemplaires dans le deck. La planète et le chagrin, c'est 2 cartes que tu n'as pas envie d'avoir, t'as pas envie de meuler. Par contre, les 2 autres, elles sont trop intéressantes. D'ailleurs, j'aurais pu les présenter comme ça. C'est-à-dire que c'est plutôt ça. Ça, c'est des starters, c'est-à-dire que le terrain va te permettre d'aller chercher n'importe quoi et derrière va casser 1. Dans un monde où tu touches pas beaucoup tes Orcustes, bah, c'est meilleur que Babel. Dans un monde où tu touches beaucoup tes Orcustes, c'est souvent moins bon que Babel, puisque Babel va permettre de faire un peu plus de card advantage. Chagrin, elle dit qu'elle va spé du deck 1, puis casser 1 du même élément. Donc c'est intéressant, par exemple, si tu as un danger en main, tu spé le danger, tu draw 1, et tu fais ensuite chagrin, tu vas pouvoir casser le danger, et par exemple, si tu spé Merli, bah, tu vas pouvoir faire effet Merli, meule 3, et donc tu auras fait du 0, c'est un
en fait, mais meule 3 au cimetière, et c'est assez intéressant. Ces deux-là, quand elle touche le cimetière, il n'y en a aucune des deux qui a un effet intéressant. Contrairement à ces deux-là, le cri, alors le cri c'est clairement une très très bonne carte, on va pas se mentir. Souvent c'est ce que je vais aller chercher. Cri, elle dit que si tu contrôles un terrain element sur le terrain, eh bien si un monstre est normal ou spécial summon, tu peux me les 3. Tout simplement, c'est juste trop fort. C'est une magie continue, donc elle va rester sur le terrain et c'est vraiment tout le temps. C'est une fois par tour, hein, mais t'as compris, c'est tous les tours. Et deuxième effet, si elle touche le cimetière parce qu'elle a été meulée, eh bien tu pourras ajouter une carte piège du deck au cimetière. Et c'est aussi pour ça que du coup je joue deux cartes pièges. Parce que elle dit, bon, c'est la piège continue qui dit que tous les tours tu peux cost un. Enfin, c'est pas cost, mais tu payes un. Tu casses un de tes Terra Elements et tu peux annuler, faire une imperme permanente sur un monstre du cimetière. Et elle dit également que si elle touche le cimetière, tu peux tuto un Terra Element. Donc en fait, si ça touche le cimetière, tu ajoutes ça. Si ça touche le cimetière, tu ajoutes n'importe quoi de ça. C'est pour ça que c'est assez intéressant. Maintenant, je les joue quand même que x2 chacun. Parce que si tu les joues plus, bah, tu vas te retrouver avec deux chagrins. Il n'y a aucune des cartes que tu peux activer plusieurs fois par tour. Tu peux faire chacun de les avoir fait plusieurs fois, une fois par tour. Mais par exemple, tu ne pourras pas faire deux cris ou activer deux cris. Tu ne pourras pas activer deux déchirulements. Tu ne pourras pas faire deux chagrins et SP2. C'est pas possible. Donc, autant les jouer comme ça, sachant que, encore une fois, le deck est fait pour jouer avec les Orcustes. Alors que moi, je les réfléchis de façon à ce que ça me gêne pas lorsque je touche également des Orcustes. D'ailleurs, en parlant d'Orcustes, on va passer à l'Engine Orcustes. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un monstre que tu veux normal summon, évidemment, Girsu. Parce que Girsu, en juste normal summon, c'est une bonne carte. Elle va faire Girsu plus spé un token. Derrière, tu peux faire une Galatea, c'est OK. Le meilleur starter du deck, c'est clairement dans un deck meule, le chevalier, parce que chevalier il envoie n'importe quoi autre Orcuste ou machine d'arc. C'est pour ça qu'on joue au Gizmec, je vous le présenterai juste après, au cimetière. Donc là, clairement, t'as un Orcuste en main et tu touches ta chérène, tu la spé, tu meules 3 et fais du Orcuste, tu vas pouvoir faire envoyer baguette, respé chevalier, et le tour d'après, en fonction de si t'as fait Galatea ou pas, tu pourras refaire effet chevalier, etc. C'est une bonne carte. Les deux en x3, c'est nécessaire. Ensuite, je vais jouer une cymbale, une baguette et un bombarde. Alors le bombarde, je l'ai longtemps pas joué, mais en fait, en y réfléchissant et sur un nombre de games calculé, je sais pas moi, sur 100 games par exemple, bah, le bombarde, il y a plein de fois où quand tu l'es meulé au cimetière, c'est une bonne carte. Tu peux également le norm et faire l'ingoribo dessus. Mais en fait, quand le bombarde est au cimetière, tu peux le bannir pour spé un Orcus de ta main. Et par exemple, si tu as un Girsu et un Renoert, et bah dans ta main, tu peux te dire, je vais norm le Renoir, ça va me permettre de faire une fusion. Et ensuite, si je meule le bombarde, eh ben, je pourrais spé le Girsu de ma main et du coup faire effet Girsu. C'est vraiment intéressant. La baguette pour respé un banni, la cymbale pour respé un du cimetière, c'est vraiment obligatoire. Et ensuite, bah, naturellement, les trois petites magies. Magie piège, pardon. La Babel, c'est aussi pour ça qu'on joue que deux terrains, parce que Babel était un terrain très intéressant. Elle va permettre de faire pas mal de choses avec les Orcus. Elle rend tous les Orcus en effet rapides. Elle permet également, lorsqu'elle a été meulée, le tour d'après, de défausser un du deck, de la main au cimetière et de 7 Babel sur le terrain. C'est assez cool. Alors, je sais plus si c'est 7 ou la récupérer. Tu la récupères à ta main, mais ça reste quand même plutôt cool. Ça peut être utile, c'est à dire que si tu la meules, c'est pas perdu. Le retour qui fait piocher 2, c'est à dire que des fois en main de départ, t'as retour, t'as n'importe quel Orcus random, notamment chevalier par exemple, et bien tu peux cost chevalier, piocher 2, et du coup bah, ça lance vachement plus de combos, ça fait quand même du plus 1. Ce qui est cool, non, ça fait du 0, pardon, cost 1 moins 1, oui, ça fait du 0, mais ça fait du 0 qui renouvelle, sachant que chevalier au cimetière, je le considère comme un plus 1. Bref, et la counter trap, c'est pour ça aussi que je joue à 45, parce que je ne joue qu'une seule counter trap, alors que je devrais peut-être en jouer 2. La counter trap, vraiment, c'est trop fort, c'est-à-dire que t'as un board trop. T'as un gros board, l'adversaire il veut faire Darkcrawler, tu peux counter trap. L'adversaire il veut faire Evenly, tu peux counter trap. Franchement, c'est intéressant, ça fait partie des raisons pour lesquelles je veux jouer les Orcustes, et aussi parce que, bah, vas-y, repop 1 tous les tours, envoyer du terrain au cimetière avec Girsu, c'est quand même assez fort. Donc là, c'était pour la partie Orcustes. Au final, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, on a 19 cartes Terra Element. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 cartes Orcustes. Donc on a une majorité de cartes Terra Element, un bon engine Orcustes quand même, parce qu'on a toutes les cartes principales en fait, tout simplement. Et pour couronner le tout, pour ajouter une très bonne stabilité au deck, on va jouer des Dungeons. Parce que, alors déjà, Nessie, c'est un... Nessie, c'est un Aqua, donc c'est juste trop fort. Le fait que ça puisse parfois démarrer tes mains, genre t'as rien... T'arrives à faire Nessie, par exemple, envoie, je sais pas moi, cri,
Et bah ça peut démarrer un combo, ou même, alors Cree, c'est vrai que ça faut déjà que t'aies des cartes en main, mais Nessie envoie des chirurlements, spé 1, draw 1, tuto 1. Bah frère, c'est trop fort, vraiment. Du coup, je joue également un Gizmek. Alors dans le deck, on joue à 45, donc c'est-à-dire Gizmek, tu vas pouvoir le résoudre 2-3 fois. Et c'est vrai que Gizmek, ça permet de faire des IP plus fortes, ça permet également de partir sur la Goddess. Quand tu as pas assez de matériel, bah voilà, tu bannes 8 et tu spé 1. Ça force des negates parce que, encore une fois, tu bannes 3 ton extra deck et tu peux casser 1 sur le terrain, donc l'adversaire va être obligé de forcer ça. J'ai beaucoup joué cette carte là par exemple sur contre le Dragon Link Beasted parce qu'il me faisait seal à chaque fois, mais moi pendant son tour je ramenais ça, effet pendant son tour à lui, et eh ben je effet pendant mon tour à moi pardon, je tentais de casser la seal, ça lui forçait la seal, et derrière bah, j'avais un peu plus de lignes de play disponible. Évidemment seal le Beasted, bah en vrai c'est pas très grave, c'est pas la pire carte qu'on peut se faire Beasted. Je vais jouer également un greffer parce que 1 2 3 4 ça fait quand même 4 targets à greffer, 5 6 7 8, ça fait quand même 8 cartes qui permettent de spé greffer. Alors soit c'est juste un body supplémentaire, soit ça peut également être un starter, parce que tu discardes un autre dark, et tu vas, donc admettons que t'es un danger et un chevalier orcuste, bah tu défausses le danger pour spé le greffer, effet du greffer, tu défausses le orcuste, et tu vas pouvoir faire n'importe quel terra element, fusionner avec le Nessie, et donc tu auras ton greffer sur le terrain, un chevalier au cimetière, et en plus de ça tu auras Kit Kalos qui va commencer tes combos et commencer à tuto, donc c'est vraiment trop cool. Évidemment, moi je pense que le deck c'est mandatory, en fait, enfin en tout cas dans les versions que j'ai jouées, je trouve ça trop fort. La Shadol, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs, encore une fois tu peux la défausser avec Greffer, tu vas pouvoir l'envoyer au cimetière avec les Dungeons, l'envoyer au cimetière avec Sheron, enfin, franchement il y a plein de moyens de s'en défausser, ça fait piocher 1 à chaque fois, et puis ça fait Winda. Winda c'est une carte qui quand même est très pénible à gérer, et quand t'as déjà un bon board établi, qu'en plus tu rajoutes Winda, ben, franchement ça pose problème. Ensuite j'ai joué 3 fois 1. Alors sacrifice parce que meilleur starter du deck en règle générale, instant de fusion vraiment trop fort, et destruction de cartes, alors je m'en suis assez peu servi c'est vrai, mais quand tu l'actives en vrai, et que tu as genre deux orcustes, deux terra element, et bah en vrai tu vas pouvoir faire tellement d'effets au cimetière que ça la rend trop forte, encore une fois tu pioches autant de cartes, donc c'est juste trop fort en fait, tout simplement. Et pour terminer, 3 super pots, parce que la carte c'est forte, parce qu'on peut clairement se le permettre dans l'extra deck, donc pour moi s'en priver. Donc ça c'est la partie main deck à 45 cartes, ensuite on a évidemment l'extra deck, tac, donc les 3 nouvelles, enfin les 3 cartes Terra Element. Ça c'est juste trop fort, ça c'est incroyable, vraiment le fait d'annuler l'invocation d'un monstre, l'invocation spéciale d'un monstre c'est trop fort. Kit Kalos c'est vraiment la toolbox du deck. J'ai longtemps hésité à la jouer à 2, j'avais pas cette place dans le deck donc je ne pouvais pas. Ça c'est pour la partie Terra Element. En plus, ensuite on a les targets un peu plus instant de fusion pour L2, Super Po également, et puis bah, les fusions que tu vas pouvoir faire au fur et à mesure, Garura étant une excellente carte, tu vas pouvoir fusionner, piocher 1, bref c'est juste trop fort. On va avoir la petite Winda, bien évidemment, Winda c'est nécessaire, hein. la carte est trop forte. Le Linguribo, notamment pour Bombard, et puis pour Girsu lorsqu'il est énorme et qu'il se paie un token. On va avoir Dark, parce que Reborn 1 Dark du cimetière, ça permet parfois de partir sur des grosses cartes, et ça permet des fois juste de faire assez de CA pour pouvoir mettre l'étal derrière. Elf, qui est mandatory dans ce deck-là, c'est-à-dire que tu vas pouvoir Reborn une Galatea du cimetière sans avoir cymbale. C'est juste trop fort, vraiment. Cette carte-là, souvent tu l'utilises même pas en lien, genre les tours d'après, tu continues de la garder pour remettre une IP, pour remettre une Galatea, pour... Enfin genre bref, c'est trop fort. IP Mascarena Unicorn, le petit combo basique, clairement. On va jouer également Goddess. Alors Goddess, je l'ai principalement mis parce que j'avais peur de tomber sur des grosses cartes un peu ingérables, genre Atinister ou Marincess, etc. Et en fait, bah, comme je le disais juste avant, on peut ramener pas mal de cartes sur le terrain, faire IP et faire 1, 2 random cartes plus un monstre de l'adversaire égale Goddess. Et bah, une fois que t'as mangé le gros monstre, ton tower, l'adversaire, bah, généralement en fait t'as gagné, tout simplement. Après c'est une light, donc faut faire attention quand même avec l'Orcus parce que tu peux vite te lock. Et évidemment, hop, je vais vous zoomer là-dessus parce qu'ils sont trop beaux, vraiment. Les deux petits Orcustes, la Galatea et le Dingirsu, bien évidemment. Galatea dont on va pouvoir pas mal abuser avec Elf, parce que du coup, tu vas pouvoir la ramener très, très, très régulièrement. C'est aussi pour ça que parfois, on peut se passer de Babel, parce que, oui, tu peux pas faire Galatea tous les tours, mais t'es pas obligé de toucher 5 balles. C'est-à-dire que tu vas pouvoir aller chercher autre chose, faire des cartes un peu plus puissantes. Et puis, bon, bah, Dingirsu permet de recyclage des machines. C'est-à-dire que tu te fais Crodidi, un des Orcustes, tu sais que tu pourras le récupérer avec Dingirsu. Et puis, envoie un au cimetière, tape à 2006, c'est quand même pas négligeable. On termine la vidéo avec le side deck. Alors le side deck, je sais pas s'il faut vraiment le prendre en compte parce que moi il était plus build
pour le local qu'autre chose. Joue 3 gamma, parce qu'en fait personne s'attend à prendre gamma dans le format. Gamma sur pas mal de cartes sprites, ça fait extrêmement mal. Joue 1 Ladybug, parce que c'est vraiment une carte d'enculé. Je vous lis la carte, elle dit que si elle touche le cimetière, tu burns 2000 l'adversaire. Donc au time, ça peut faire gagner des games. Et encore une fois, on a des combos qui meulent jusqu'à 11 dans le deck, donc franchement, pourquoi s'en priver? Je vais jouer pas mal de cartes PTMP, parce que les joueurs ont tendance à jouer Labyrinthe, Eldritch, etc. au local, donc j'avais prévu le coup. Ça, c'est une carte qui est mandatorie dans le deck. Les deux autres, c'est plus un choix qu'autre chose. Et ensuite, j'ai simplement des board removal. Donc 3 Dark Ruler, 3 Evenly, sachant qu'on joue déjà Super Po Main. L'avantage du deck, c'est que tu vas pouvoir cut de la stabilité, donc tu vas pouvoir enlever des cartes Orcus. Par exemple, je sais que quand je go 2, j'enlève Babel et Retour Orchestré. Ça me fait déjà 2 places, c'est gratuit. Je peux enlever également des x1, par exemple, je peux enlever Greffer, je peux enlever Destruction de cartes. C'est des cartes qui sont bonnes dans le deck quand tu go 1, mais qui sont pas forcément nécessaires au deck quand tu go 2. Donc c'est plutôt intéressant et ça nous fait de la place pour le side deck. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe au combo pour que je vous montre un petit peu ce que ça peut faire et que vous vous rendiez un peu mieux compte. Ok, donc je viens de shuffle mon deck pour pouvoir vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc on va prendre 5 cartes du dessus, tac, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, ok, on a une des meilleures cartes, donc c'est difficile de la prendre en compte, mais ok. Ok, donc là on a typiquement une main qui ne peut pas go 2, enfin, en tout cas difficilement. En tout cas, c'est une main qui est bien meilleure en go 1 qu'en go 2. Naturellement, je vais commencer par Instant Fusion, je vais aller chercher Kit Kalos, effet Kit Kalos, je vais pouvoir tuto une carte Terra Element. Et là, vu que j'ai quand même une bonne main, on va aller chercher. Tac. Alors je sais que c'est un peu chiant quand je dois chercher les cartes, mais je préférais vraiment vous montrer le deck. Ce qu'il peut faire sans vous montrer des combos en mode juste ces cartes-là, etc. Là, j'ai vraiment pris une main random pour vous montrer ce qu'il en était. Donc, on va aller chercher Cri. Alors, je vais essayer de jouer avec les bonnes zones. Parce que par habitude, je mets mon deck ici, mais je vais essayer de jouer avec les bonnes zones pour vous. Je vais essayer d'ailleurs de baisser un petit peu les cartes pour pouvoir avoir des zones d'extra deck. Je vais activer Cri. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite faire Kit Kalos. Je la casse. Je spé Merli et du coup, Chaining 1 Kit Kalos, Chaining 2 Merli, Chaining 3 Cri. Je vais pouvoir, donc du coup, généralement je demande à mon adversaire de cut, je vais pouvoir meuler 11 puisque 3, 3, 5, ce qui est vraiment est pas mal. Et souvent, ça nous ouvre tellement de possibles. Nul. Bonne carte, bonne carte, bonne carte, bonne carte. Bon, je pourrais le faire qu'une seule fois. 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Alors, en vrai, on a des bonnes cartes et des mauvaises cartes. Faut qu'on en débatte un petit peu. Le crescendo, c'est trop chiant de le meuler. Donc là, typiquement, on va pouvoir utiliser... Les cartes qui sont utiles, qu'on vient de toucher au cimetière, ça va être ces cartes-là. Donc on en a touché quand même 4 sur 11. Là, en l'occurrence, on a 2 chain blocks qui vont pouvoir se déclarer et 2 qu'on pourra déclarer, nous, plus tard. Donc souvent, je vais faire Chaining 1 Afnis pour protéger tout simplement ma fusion et Chaining 2 Crit pour aller ajouter une carte piège de mon deck à ma main. Ça veut dire que là, sauf Crodidi, je peux pas prendre d'interruption. Donc je vais chercher un petit déchirelement, qui est une bonne carte, on va pas se mentir. Et ensuite, je vais pouvoir faire une fusion. Et il me semble, alors, soit... J'ai déjà Kit Kalos au cimetière, je peux directement partir sur Kit Kalos. On sait que quand même ici, on a encore Renoert, donc potentiellement, on pourra invoquer Renoert. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur la fusion tout de suite, tac, avec la Afnis. Et on va pouvoir aller spec tout de suite la nouvelle rune Kalos, qui quand même est pas dégueu. Donc là, juste là, je vais pouvoir set ma piège. Et, alors je vais la laisser activer pour que vous puissiez la voir. Et en soi, on a déjà un bon board, ce qui est quand même pas mal. Maintenant, on sait qu'on a Chevalier au cimetière, on sait qu'on a Gizmec dans la main, dans le cimetière. Donc là, on va pouvoir soit faire les Chevaliers Orcus tout de suite, soit se contenter de continuer de faire des fusions, et on verra ensuite ce qu'on fait avec les Orcus. Ce que je vais faire, c'est que je vais Normal Summon effet, je vais pouvoir meuler 1, donc je vais envoyer par exemple... on a fusionné Ethnis tout à l'heure, donc je vais envoyer Sheren. Sheren effet, pour faire une fusion. Donc là, je sais que j'ai meulé tout à l'heure un Nessie, donc je vais pouvoir faire une fusion avec Nessie. Tac, je la mets dans mon deck. Et je vais pouvoir faire Garura, puisque c'est 2 Aqua Dark. Là, tout de suite, je pourrais faire une Elf. C'est déjà possible. Et en vrai, c'est ce que je vais faire, parce que...
Et bien ça va me faire piocher 1, donc ça me donne encore plus de possibilités de jeu. Effet pour draw 1, je laisse mon adversaire cut, t'as compris l'idée. Et je draw 1. Bon, Reinhardt, c'est pas forcément fou, mais en vrai, ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, on sait que dans tous les cas, même si on prend un Crodizzy, on pourra quand même faire un Kaleidor. Donc ça, c'est quand même assez cool. Là, on a notre setup pour faire IP Mask Arena et compagnie, c'est plutôt bien. On sait qu'on a Gizmek qui revient. Donc là, je vais pouvoir commencer à faire mes Orcus sans pression. Donc je vais envoyer la bombarde, comme je vous le disais juste avant. Effet bombarde, lorsqu'elle est dans le cimetière, je peux la bannir. Et je vais spé Girsu. Effet Girsu, je vais pouvoir meuler 1. Enfin, foolish 1 plutôt. Je vais envoyer baguette. Effet baguette, je vais pouvoir respé chevalier, par exemple. Alors, ce que j'aurais pu faire, c'est éventuellement respé bombarde. Parce qu'on sait qu'on a 100 balles ici. Et on sait que le tour d'après, eh bien, ça peut être utile de le renvoyer. Là, je vais pouvoir utiliser les deux. Je vais faire ma Galatea. Effet Galatea, je ramène la baguette parce que c'est trop nécessaire. Je vais la mettre dans le deck. Et là, en l'occurrence, vu qu'on n'a pas touché la planète originelle, bah, je vais aller chercher la cymbale, la Babel, hein, clairement. Parce que ça me permettra... Alors, attendez, je suis en train de réfléchir. Parce que je fais ça en live, hein, bien évidemment. La cymbale est là, donc j'aurai pas la Reborn. Je vais pas aller chercher... En vrai, je vais pas aller chercher la Babel. Je vais plutôt aller chercher le Crescendo. Parce que du coup, en fait, on perd un peu d'utilité. J'ai plus Crescendo. Je vais aller chercher Retour. Parce que Retour me permettra de piocher 2 et Crescendo est déjà au cimetière. Babel n'a pas trop d'intérêt. Encore une fois, ce deck-là, c'est un deck un peu tu composes en fonction de ce que t'as. Donc là, je vais activer Retour pour envoyer Cymbale au cimetière. Je vais laisser cutter mon adversaire. Je vais piocher 2. Et là, bah, clairement, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On vient de piocher 2 des meilleures cartes du jeu. Enfin, en tout cas, Foolish est une très 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 bonne carte. Là, ce que je peux faire, ça va être faire Foolish pour envoyer... Mince, comment elle s'appelle? Celle que je n'ai pas encore touchée. J'ai fait Afnis. J'ai pas encore fait Merli en fait, voilà. Donc je vais pouvoir envoyer pour faire Merli. Sachant que je suis lock Dark, mais je suis pas lock Machine. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Je vais pouvoir faire effet Merli. Et là, bah, je peux la fusionner avec autre chose, hein, tout simplement. Je peux la fusionner avec... qu'est-ce que j'ai d'autre au cimetière? Bah, en vrai, je pourrais faire ça déjà, éventuellement. Ce qui est pas mal pour pouvoir faire un Kaleidoherth qui est juste ici, tac. Ou je pourrais simplement faire un Dracostapelia. On va prendre l'exemple comme si je faisais un Dracostapelia. Donc je laisse le Kaleidoherth dans ma main, j'utilise Merli et Garoura, tac. Je les mets ici, tac, sous mon deck, bien évidemment. Donc là, on a une carte supplémentaire. On sait qu'on a un lien 2, donc c'est plutôt cool. Là, ce qu'on peut faire en vrai de vrai, c'est utiliser Galatea. Pour faire Dingirsu, effet Dingirsu, tu récupères ton chevalier, tu utilises les deux, tac, tu fais ta IP Mask Arena, et là tu peux faire effet Elf, et ramener ta Galatea. Donc là, t'as quand même un très bon board, t'as une carte qui va te permettre bah, par la suite de continuer tes combos. Au pire du pire, ce sera juste une carte pour faire Unicorn, IP Mask Arena, etc. On sait qu'on a Nessie, on a Jackalope, qui pourra être discard sur Unicorn. Donc ça, c'est plutôt cool. Et encore une fois, on a une annulation de spé, une annulation tous les tours, une annulation face recto. Et à chaque fois qu'un monstre sera dans mon spé, tu peux me le 3. Donc tu pourras continuer à faire des effets, etc. Je pense que j'étais assez clair dans ce combo. J'espère vous avoir montré un maximum de choses. Je pense pas avoir misplay. Encore une fois, des fois, le deck avec les locks, etc. sont un peu compliqués. Mais je pense avoir montré un maximum d'éléments. Et le cimetière en lui-même, bah là on a Dingirsu, on a Kaleido, on a Chevalier, on a Cymbale, on a, enfin, vraiment, on a quasiment tous nos Orcus. On a encore Gizmek. C'est vrai que là je pourrais me le 8 et ramener Gizmek. Tac, ce tour là, ce qui fait que souvent je le ferai plutôt pendant le tour de l'adversaire après, mais ça nous donne une idée du board final qui est possible. On a encore Afnis au cimetière, c'est-à-dire que tu vas pouvoir, si avec le cri je meule n'importe quoi, bah, je sais qu'au cimetière j'ai ça. J'ai ça, donc rien que de base, j'ai assez pour faire Kaleidoherth au cimetière, ce qui est quand même plutôt cool. Alors évidemment, ça c'est quelque chose qui m'est arrivé souvent, le board est déjà rempli, donc faut faire attention à ne pas, à bien gérer. Par exemple, il faudra d'abord faire Unicorn, par exemple, pour ensuite chaîne avec Cri, pour pouvoir meuler, bounce, etc. Et donc du coup, faire de la place pour ramener ton Kaleidoherth, ce qui va bounce 1 à nouveau. Bon, t'as compris l'idée, et après si tu te fais gérer des cartes, bah, t'as encore Elf qui va pouvoir ramener des cartes du cimetière, et continuer en fait tout simplement de faire du card advantage et de la puissance au deck, sachant qu'on a encore 2 en main, donc on va draw 1 le tour d'après, et continuer à jouer tout simplement.
Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Le petit code est apparu dans la vidéo, c'est sûr et certain. J'espère que quelqu'un a pu l'activer. En tout cas, moi ça me fait trop plaisir de savoir que dans chacune des vidéos, il y a quelqu'un qui sera content parce qu'il aura pu gagner 10€. Sachez que c'est la première sur plus de 25 vidéos normalement. Donc si c'était pas votre jour de chance aujourd'hui, sachez que vous allez pouvoir retenter l'expérience sur quasiment tous les jours qui vont suivre, puisque l'objectif du mois de novembre, ça va être de sortir une vidéo par jour. J'espère que ce petit deck profile vous a plu. Encore une fois, l'idée c'était plus de vous montrer ce qu'on peut faire avec Terra Element et Orcust. Orcust, il reste quand même un très très bon deck. En tout cas, à mes yeux, c'est un deck que j'affectionne particulièrement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, le pouce, l'abonnement. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bon nombre de duels et collection de cartes. Surtout bientôt les potes. Allez, ciao!